Waouh! Bonjour frère, ça. Comment allez-vous? Si vous allez bien, eh bien c'est extraordinaire. Si vous n'êtes pas abonné, en dessous, c'est tous abonnés. Abonnez-vous et partagez cette vidéo. Ah! On ne comprend pas ici. Depuis la disparition de cette star le 12 août dernier, beaucoup de choses bizarres se passent. On a l'impression que les gens sont allés chercher Dieu maintenant. Ce que nous allons voir ici, ça va même vous étonner. Allons au studio pour voir ça. Ah! J'espère que vous allez bien, que votre famille se porte à merveille. Vous serez même surpris parce que nous allons voir l'eau d'une remise de prix dans une compétition de musique. Il y a une star qui a fait ça. Ça paraît le bien. Et voilà, c'est fait. Vous allez voir tout de suite. Attendez un peu. Juste un peu. À ce niveau, attendez, vous allez voir. Une, deux, attendez vraiment très bien et regardez ça. Une, deux, et trois. Regardez, regardez comment ça va venir. Regardez ça. Voilà. Elle arrive. Où elle est arrivée avec une bible. Une bible à la main. Quel temps. Et qu'elle montre à tout le monde. Comme si elle disait à tout le monde que c'est Dieu qui l'a fait, ou c'est Dieu qui l'a aidé. Vous regardez, voilà, et tout le monde la suit. Par la suite, elle ne va pas manquer de dire quelque chose, de dire des choses qui vont même vous étonner. Vous allez voir ici, nous allons l'écouter. Les mots me manquent. Applaudissez un peu pour Dieu, s'il vous plaît. Je voudrais de remercier Trace Afrique, qui fait beaucoup pour moi. Et la Camorra, c'est le coup de poing de Jésus. Désormais, le nouveau nom, appelez-moi le son 23 du couplet de Calais. Désormais, le nouveau nom, appelez-moi comment? Non, je n'ai pas bien entendu. Revenons un peu en arrière. Écoutons ça. Trace Afrique, qui fait beaucoup pour moi. Et la Camorra, c'est le coup de poing de Jésus. Désormais, le nouveau nom, appelez-moi le son 23 du coup de poing. Quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est de ça qu'il s'agit. Attendez. Prenez votre Bible tout de suite. Prenez. Jetez un coup d'œil dans ma Bible, dans la Bible de portable. Vous pouvez aller sur votre Play Store et télécharger Bible. C'est quand même gratuit. Bible LSV. Regardez. Bible LSV. Bon, on va l'ouvrir, vous allez voir. Bible LSV. Voilà, lui, c'est bon. Allez chercher Psaume. Psaume. Est-ce que vous voyez? Psaume 23, comme c'est ce que ça vient de dire. Psaume 23. Voilà. Et voici ce qui est écrit à l'intérieur. Vous voyez? Voilà. On dit, cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ointuiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ah! Vu ce que le psaume 23 dit ici, on peut dire tout simplement que cette star est en train de dire que désormais, elle, sa vie correspond à tout ce que nous venons de lire ici. Sérieux? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est de la blague? Revenons un peu en arrière encore pour le goûter encore. Applaudissez un peu pour Dieu, s'il vous plaît. Je voudrais remercier Trace Afrique, qui fait beaucoup pour moi.
23 du premier décalé. Désormais, appelez-moi le somme 23 du coupé décalé. Le coupé décalé, déjà même, il y a un problème. Parce que, beaucoup de personnes disent qu'il n'y a pas de Dieu dans ça. Écoutons ça. Vous voyez, il y a un qui dit, des Bordeaux, c'est pas Zamou, il y a Dieu dedans. Wow. Ce que je vais te dire d'abord, parce que toi, ça fait, c'est la dernière fois que je te réponds. Ce que je vais te dire, c'est que, en fait, tu es facile à tromper, quoi. Tu es facile à tromper. Le coupé décalé, il n'y a pas Jésus dans le coupé décalé. Yoro même a dit ça. De Bordeaux même a dit ça dans le passé. En fait, comme il est bête, il va montrer tous ses mouvements. Est-ce que vous entendez ça un peu? Revenez un peu en arrière, vous allez comprendre ça. Le coupé décalé, il n'y a pas Jésus dans le coupé décalé. Yoro même a dit ça. De Bordeaux même a dit ça dans le passé. En fait, comme il est bête. Revenez encore en arrière. Pas Jésus dans le coupé décalé. Yoro trompé. Le coupé décalé, il n'y a pas Jésus dans le coupé décalé. Yoro même a dit ça. De Bordeaux même a dit ça dans le passé. En fait, comme il est bête, il va montrer tous ses mouvements. Il a dit ça dans le passé. Où il disait que dans le coupé décalé, il n'y a pas Dieu. C'est œil pour œil, dent pour dent. Ces vidéos-là sont là. Il ne supprime pas ces vidéos. Vous voyez un peu, il ne supprime pas ces vidéos. Donc quand ça est comme ça, là, moi, il mémorise tout. Où il disait qu'il n'y a pas Dieu dans le coupé décalé. Donc quand l'homme, quand on vient s'arrêter aujourd'hui pour dire que non, il y a Dieu dedans là. Moi, ça me fait rire. Vous dites, Débordeau, c'est pas Zamou, c'est Dieu. Hé, hey, coupé décalé là. Coupé décalé qui est là. Vous ne savez pas pourquoi Claire Bailly veut fuir coupé décalé. Vous ne savez pas. Il y a un délit dans le coupé décalé. C'est quand tu n'es pas dans le milieu que tu ne peux pas comprendre. Débordeau essaie de vous faire changer d'idée, vous les hommes de Dieu là, pour que vous dites que non, Débordeau est l'artiste du moment. Parce que c'est actuellement ses fans là. Il y a beaucoup qui sont devenus chinois après la mort de Didier Arafat. Donc les hommes de Dieu, là, ils n'ont qu'à les suivre. Et si vous voyez Marcos suivre des Bordeaux de Koufa, mais pourquoi toujours des Bordeaux dit qu'il y a Dieu dedans? Vous avez vu Marcos soutenir des Bordeaux de Koufa? Vous avez vu quel pasteur qui fait vidéo pour soutenir des Bordeaux de Koufa? C'est pour vous dire, des Bordeaux s'amusent avec vos têtes, soit disant qu'il y a Dieu dedans. C'est facile de... Moi, je peux vous dire de suite là que moi, je suis 100% chrétien, mais 100% musulman. Or, je ne suis pas. Et puis vous allez me croire, les musulmans vont me suivre, les chrétiens vont me suivre. Or, je ne suis pas. Vous avez entendu ça? Est-ce que vous pensez que ce dernier est en train de rigoler avec nous? Cette personne qui parle, elle est fan d'Insta ici. Et elle parle avec des preuves, on dirait. Je vous dis, quand les gars vous disent adieu dedans, là, il a perdu espoir. Il ne sait pas à qui se confier. Donc il préfère parler le nom de Dieu comme ça pour dire non, être un homme de Dieu, c'est pas forcément d'aller à l'église, c'est le cœur. Champion, dans ton cœur, il n'y a pas Dieu. C'est ton tapali de couper les calés qui est dedans. Ah, wow. Mon Dieu, voici ce que nous venons de recevoir. C'est une vidéo qui était de faire le beurre sur les réseaux sociaux. Cette personne nous parle du couper des calés et c'est un fan, c'est l'un des fans à Sestamé qui est là-bas. Qui donne des révélations sur ce qui se passe dans le milieu. Et ce fan vient de dire que dans le milieu coupé décalé, les deux stamens que vous voyez à l'écran ont même dit qu'il n'y a pas Jésus-Christ dedans. Et que c'est un autre monde. Vous-même, vous avez entendu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Moi, je pense qu'on voit des propositions faux pour toi, pour toutes les personnes, pour voir si tout ce que les gens sont racontés est même vrai. Écoutons ça. Là, maintenant, on va écouter une deuxième personne. En tout cas, l'esprit de Daichi est trop fort. Son esprit est fort. Ça a commencé à toucher le cœur des autres à donner leur vie à God. Ça a commencé à toucher le cœur des autres artistes à donner leur vie à Dieu. Parce que le milieu, c'était un milieu satanique. C'était un milieu diabolique. C'était un millier de Lucifer, un millier vraiment où l'autre est prêt pour se mettre dans les bêtises. Franchement, l'esprit de Daichi est trop fort. Parce que depuis son départ, beaucoup de personnes ont commencé à se ressaisir. Ah, est-ce que c'est la vérité?
Déjà même, on a vu encore une autre star qui est juste allée se faire baptiser. Baptiser, juste baptiser. Ah! Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, est-ce que vous pensez que cette star-là, ce qu'elle veut de nous dire là, c'est la vérité? Est-ce que vous pensez que ce qu'elle vient de nous dire est la vérité? Et que c'est vraiment Dieu? Est-ce qu'il y a vraiment Dieu dedans? Est-ce qu'il y a vraiment Dieu dedans? Écoutons encore. Vous voyez? Beaucoup pour moi. Et la Camorra, c'est le coup de poing de Jésus. Désormais, le nouveau nom, appelez-moi le son 23 du coupé décalé. Mes frères et sœurs, le coupé décalé et Jésus-Christ sont deux combinaisons qui ne marchent pas. Hein? Donc, on ne peut pas donner tort à ces fans qui ont dit qu'il n'y a pas Dieu de le couper décalé. Mais nous devons quand même rechercher Dieu. Parce que la mort ne tue pas les gens. Il faut chercher à s'attacher à le Dieu. Message à la jeunesse. Et réellement, même cette star qui a disparu là, avant sa disparition, elle a eu à parler un peu de ça. Écoutons. Le message à la jeunesse du monde, même pas africaine, c'est de croire en Dieu. Le message à la jeunesse du monde, même pas africaine, c'est de croire en Dieu. Le message à la jeunesse du monde, même pas africaine, c'est de croire en Dieu. Vous avez entendu ça? Ça veut dire que déjà cette fan, cette star-là, elle est déjà en train de nous révéler qu'il faut croire quand même en Dieu. Il ne faut pas être une personne simple comme ça. Il faut croire en Dieu et uniquement qu'en lui. Il faut s'attacher à Dieu. Et quand on s'attache à Dieu, on commence par aimer tout ce que Dieu nous demande d'aimer, comme la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu, nous devons aimer faire le bien. Et c'est en ce moment-là. Nos œuvres vont parler pour nous. Parce que si on se base sur la parole de Dieu, on va dire que vraiment Dieu a laissé beaucoup de commandements que nous devons suivre si nous sommes bien. Ça veut dire que là, ce sont nos œuvres qui vont amener les uns et les autres à dire qui fait quoi, qui est dans quoi et pourquoi les gens parlent ainsi. Par exemple, c'est ça quand elle a chanté cette chanson qui signe. Qui s'appelle Aokola. Qu'est-ce que les gens disent? Ils disent que oh, là tu chantes une chanson où les gens se masturbent. Elle dit non, c'est un instrument de musique. Bah, les gens disent non, nous c'est pas ce qu'on voit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens aujourd'hui ils ne parlent pas beaucoup. Nous tous on voit clair. S'il y a vraiment Dieu dedans, ça va se savoir. Si c'est vraiment réel, cette affaire du psaume 23 et que c'est l'Éternel qui est vraiment son berger, ça va se savoir. On ne fait pas trop de bruit chez nous. Nous l'encourageons même à suivre le chemin de Dieu et à abandonner le monde. Parce que Dieu ne se trouve malheureusement pas dans le monde. Il faut que quelqu'un quand même vienne vous dire la vérité. Ou bien, vous voulez qu'on vous mette ici. Ne comptez pas sur moi. Mes frères et sœurs, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, là, vous ne devez plus trop faire parler. Ce sont les œuvres des gens qui vont nous amener à savoir cela. Aujourd'hui, là, quand on est artiste, on fait forcément des musiques, on fait forcément des clips. Qu'est-ce qu'on va voir dans les clips? Est-ce qu'on va voir des choses qu'on a l'habitude de voir? Vous connaissez, aujourd'hui, là, le monde parle au travers de trois choses. Le sexe, la drogue et l'argent. Tout tourne autour de ces trois choses. C'est ce que les gens sont tous de faire. Ça veut dire que les œuvres de ces stars doivent accompagner maintenant sa parole. Puisqu'elle est venue pour dire à tout le monde qu'elle, désormais, elle est en Dieu et qu'elle suit vraiment Dieu. Nous, on va voir ça dans l'application.
Mais il ne faudrait pas que ce staff fasse trop d'efforts pour nous prouver cela. Parce que le salut est personnel. Là encore, c'est son affaire. Sur le salut est personnel. Est-ce que vous comprenez? Si aujourd'hui, le CSA est venu dire qu'elle c'est Dieu, elle adore, tout ça, tout ça, tout ça. Si elle a dit, si toi ça t'arrange, tu prends. Si ça t'arrange pas, tu laisses passer. Le salut est personnel. Chacun va rendre compte à Dieu pour toute parole qu'il a prononcée. Il ne faut même pas te mettre dans les trucs quand tu crées des problèmes plus tard. Si qu'elle suit, tu regardes la chose. Mais toi, prie pour que beaucoup de personnes puissent venir à Dieu. Le coupé décalé. Les gens sont dit, il n'y a pas Dieu du temps. Et voici une star du coupé décalé qui arrive avec une Bible. C'est pourquoi, qu'est-ce que ce star cherche à montrer à tout le monde? Ça va se savoir. Affaire à suivre. Abonnez-vous et partagez cette vidéo. C'est parti.